monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis il y a quelque temps une petite surprise, donc voilà, la petite surprise en fait, je vous en parle aujourd'hui. J'ai découvert, juste avant les grandes vacances scolaires, là, j'ai découvert qu'il y avait un site de vente en ligne de modèles de Michel Jourde. Donc Michel Jourde, je vous en ai souvent parlé, c'était un dessinateur de dentelle pour moi qui était vraiment très talentueux, qui a fait des modèles absolument sublimes. Depuis que je suis toute petite, je suis vraiment à fond sur ces modèles, j'en avais acheté vraiment beaucoup en quantité, j'en ai fait parce que j'aimais vraiment travailler dessus. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer en plus lors d'un couvige. Près de chez moi, donc j'étais vraiment ravie quand je suis tombée sur un peu par hasard sur ce catalogue en ligne. Et du coup, bon bah cette personne est décédée, mais j'ai donc compris que la fille de Michel Jourde a repris un petit peu la suite et a créé donc ce site. Le catalogue en ligne, je vous le mets donc sous cette vidéo, je vous mets le lien. Et donc j'ai décidé de vous... En fait, au départ, j'avais acheté les modèles donc, pour les faire pour moi. Puis après, je me suis dit, mince, c'est dommage finalement de ne pas vous les partager parce que vous allez voir qu'il y a des modèles vraiment superbes. Donc je me suis dit, ce serait bête de ne pas vous les partager parce que vous allez forcément un jour ou l'autre me demander de les faire. Et voilà. Donc, j'ai demandé, en fait, j'ai pris contact avec, elle s'appelle Jessica Jourde, qui m'a autorisé en fait à vous faire des vidéos sur les modèles de son papa. Voilà, donc par contre à chaque... là je vais vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer en une première partie de ce que j'ai acheté. Je vais pas tout vous montrer, j'ai des modèles en plus anciens, puis je referai une vidéo un peu plus tard sur les autres modèles. Donc cette vidéo là elle est juste en fait pour vous montrer une première partie de ce que j'ai acheté. Où est-ce que vous pouvez trouver donc sur le catalogue en ligne, parce qu'il y a plusieurs rubriques, où est-ce que vous pouvez les trouver et à quel prix vous pouvez les trouver, parce que moi je vais vous montrer comment les faire. Par contre il faudrait quand même les acheter directement sur le site, moi je ne vous les donnerai pas. Après c'est vraiment très 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 peu cher, vous voyez ce modèle il est en format A3 par exemple, il est à 2,50€, donc il n'y a franchement rien à dire. Je vous montre plusieurs de façon à ce que vous puissiez faire une commande groupée pour ne pas avoir à payer des frais de port à chaque fois. Donc voilà tout l'intérêt de cette vidéo. Sinon c'est des modèles que je vais mettre donc sur YouTube en initiation, mais ça reste des modèles quand même assez complexes. Ne commencez pas juste après avoir fait l'exercice 1, 2, 3 et 4 à vous lancer dans un modèle comme ça, parce que déjà c'est très long. Et en plus de ça, il y a quand même beaucoup beaucoup de points différents et de choses que vous devez connaître. Donc je pense quand même nécessaire d'avoir pris quelques étapes de cours avant d'entamer ces modèles là. Je vais essayer, donc à chaque fois je vais vous montrer les modèles, je vais vous dire un petit peu les points qu'on y retrouve, le prix, et je vais vous donner dans quelle série on l'a trouvé la référence. Voilà, donc sachez que tous les modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais dans les prochains mois vous montrer comment on les fait tous un par un. Alors vous allez voir qu'il y a des modèles vraiment vraiment splendides, je suis sûre que vous allez être vraiment impatients de les voir. Et j'ai aussi décidé de faire un nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire que là actuellement je fais une vidéo et puis je la sors, mais vous avez souvent fini la première partie de la vidéo que moi je n'ai pas terminé la deuxième, parce que les vidéos en ce moment sont très très longues, elles font 1 heure, 2 heures. Donc en fait je trouve ça un petit peu bête que vous soyez obligé d'attendre que j'ai terminé alors que ces parties, les premières parties de la deuxième partie par exemple sont déjà faites. Donc je vais créer un nouveau concept de vidéo qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure, mais que je vais essayer de poster quotidiennement de façon à ce que vous puissiez avancer en même temps que moi, que vous ayez seulement une journée de décalage par rapport à moi et que vous puissiez en faire tous les jours et pas seulement quand j'ai eu le temps de pouvoir vous publier une vidéo. Sachant en plus que quand je fais des vidéos de 2 heures, il me faut pratiquement une journée pour faire les montages et encore une autre journée pour la mettre sur YouTube, pour la télécharger, c'est vraiment très long. Donc là, en essayant de mettre en place ça sur les modèles de Michel Jourde, voilà, des petites vidéos quotidiennes de 10 minutes, un quart d'heure, de façon à vous puissiez avancer et que vous preniez vraiment la partie là où vous êtes en train de travailler en fait. Voilà, alors pour ce modèle, il s'appelle Boule de Noël. Donc il coûte 2,50€, donc c'est vraiment vraiment pas cher. Il est en format A3 et il est dans la série 2013 et en référence 2013/1B. Donc il y a beaucoup de points de base comme le point ouvert, le point fermé, la passe est tordue, mais il y a aussi des cordes pointonnées, donc ça on les voit dans les étapes de cours. Vous avez également beaucoup 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 de points d'esprit tout ici,
Avant de commencer un modèle de point d'esprit, je vous ai déjà expliqué qu'il faut quand même en faire beaucoup avant de réussir à en faire un potable. Donc lancez-vous pas trop sur ce modèle-là si vous êtes juste sur les points d'esprit, ou alors vous ne pourrez pas faire cette bande-là, ce serait dommage. Et tout ça aussi, c'est tout du point d'esprit autour. Voilà. Ensuite, il y a des rouleautés, ça je vous le montre. Et ici, si vous avez pris l'étape 5, vous verrez qu'il y a des araignées qui sont un petit peu différentes. Donc là, le but, en fait, je ne vais pas vous remontrer les points qui sont dans les étapes. Je vais vous montrer surtout les indications. Où commencer, le nombre de fuseaux, toutes ces choses-là en fait que je vous montre habituellement. Mais je vous montrerai ça au fuseau. Voilà, donc ça, c'est pour le modèle boule de Noël. Ensuite, vous avez un modèle abstrait qui s'appelle Arabesque, qui est également en format A3. Il est également aussi à 2,50€ et dans la série 2013-21. Donc il y a du point fermé, c'est quasiment que du point fermé, il y a quelques petites variantes de point fermé. On essaiera de rajouter quelques perles à ce niveau-là, donc là, essayez de bien avoir compris l'exercice 4. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Il n'y a rien de compliqué en fait de ce modèle, je pense que je l'expliquerai tout en initiation. Donc ça c'est un modèle, même si vous n'avez pas fait les étapes de cours, je pense que je pourrais tout vous le montrer au fuseau. Hein. Donc c'est un modèle abstrait, j'aime beaucoup les modèles abstraits. Donc là je vous en ai mis qu'un, mais dans la prochaine série qu'on fera, il y en a un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est Arabesque. Sinon, quand vous allez recevoir en fait vos modèles, je ne l'ai pas dit, mais donc déjà la personne qui s'occupe de l'envoi des modèles est ultra rapide, vous pouvez vraiment avoir confiance. Dans la semaine vous avez reçu vos modèles et tout, donc je vous conseille quand même de faire une photocopie et de travailler soit sur l'original soit sur la photocopie, mais d'abord quand même quand vous travaillez c'est des modèles qui sont assez longs, donc si vous ne voyez pas très bien pendant le travail, vous avez toujours la photocopie à côté de vous pour voir un petit peu mieux. Ça arrive des fois même que j'agrandisse en fait le modèle d'origine pour vraiment c'est plus facile en fait quand on est bloqué à un endroit, on se réfère un petit peu à l'agrandissement et puis ça nous arrête de voir un peu mieux tout simplement. Donc ça c'est le modèle Arabesque. Ensuite je vous présente cette petite vache qui m'a fait craquer, je l'ai trouvée trop belle. Elle est dans la série donc 2013 toujours, c'est la référence Joyeux Luron B. 2013-16B, elle est à 1,50€. Il y a essentiellement du point fermé, du pot ouvert et de la passée tordue. Il y a quelques rouleautés, mais je vous montre ça aussi en initiation. Par contre, il y a des points d'esprit au niveau des yeux. Et comme ils sont au niveau des yeux, il vaut mieux quand même savoir les faire parce que bon, c'est ce qu'on voit en premier, les yeux. Voilà, sinon il n'y a rien de compliqué, c'est un modèle qui est tout mignon. Il y a plusieurs joyaux lurons, donc là c'est le B. Hein. Ensuite, ce modèle, je l'ai déjà fait, c'est celui qui est en présentation de ma photo de club sur Facebook. Donc je rappelle, le club Facebook, c'est la dentelle de Lila. Ce modèle s'appelle Promesse, il est dans la série Création. La référence, c'est SC40, il est à 5€. Bon, alors là, il est assez long, il faut quand même avoir acquis le fond mariage, tous les points de base, hein, bien sûr, mais le fond mariage pour tout ce qu'il y a en fait à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Le point d'esprit, il y en a beaucoup en bas, et les cordes pointonnées. Donc celui-là, par contre, ne l'entamez pas si vous ne savez pas faire tout ça parce qu'il y aurait trop de blanc. À la limite, moi je sais que j'avais pas fait les points d'esprit parce que j'aime pas les faire, mais faut quand même faire l'intérieur parce que c'est ça qui rend vraiment joli. Voilà, donc ce modèle s'appelle Promesse. Ensuite, ici, j'ai une orque. Elle est dans la série 2013. Donc la référence, c'est 2013/14. C'est très bien pour l'initiation parce qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Le modèle est à 1,50€ et puis il n'est pas trop long à faire. Donc ça, c'est un modèle, si vous débutez, vous pouvez l'acheter sans problème. En plus, à 1,50€, franchement, on n'a pas à se priver. Voilà, donc le modèle Orc 2013/14. Alors ensuite, le Phénix. Alors le Phénix, il est sublime. Il est au prix de 3€, donc pareil, ça vaut pas le coup de s'en priver. Il est en format A3. Il est dans la série 2014 et la référence c'est 2014/31. Donc c'est le Phénix. Il y a du point fermé, des croisements 8, des points d'esprit, des cordes et des pointons. Voilà, donc ça, si vous avez pris les cours,
franchement, il n'y a pas trop de soucis. Il y a un point d'esprit, mais il n'y en a qu'un seul. Il est tout en haut ici, au niveau de l'œil. Donc là, celui-là, sincèrement, je crois que c'est dans l'étape 3 que j'apprends les cordes pointonnées. Si vous avez pris l'étape 3, il se tente. Il n'est pas non plus très très long, donc ouais, il se tente. Alors ensuite, j'ai le zèbre. Alors le zèbre, je sais pas, je vais essayer de vous trouver des photos pour mettre entre. Mais alors, le zèbre, une fois fini, c'est une petite merveille. C'est un modèle qui est à la fois abstrait, vous allez voir, mais on voit quand même bien le zèbre au milieu. Il est dans la série 2014, en référence 2014/11. Il est au prix de 3€, donc encore une fois, 3€ pour un modèle en format A3, c'est rien du tout. Il est très simple à faire. C'est-à-dire que c'est du fil coupé, donc c'est-à-dire qu'il faudra quand même beaucoup faire des petites parties, mais c'est que des points de base, il y a du point fermé, des variantes, du point ouvert, mais pareil, c'est que des points de base. Celui-là, il peut se tenter si vous avez un petit peu de temps devant vous, parce que bon, il est quand même relativement long, surtout pour la tête, mais ouais, il se tente hein, quand même. Ensuite, ce modèle s'appelle Vénus. Vénus, il est dans la série Création à 5€ et il est en référence SC33. Ce modèle a beaucoup de points fermés et de passés tordus, quelques roulottés. Il y a du point d'esprit en bas en fait ici. Mais pareil, à part les points d'esprit, c'est vraiment pas très compliqué. Ça fait comme le zèbre en fait avant, si vous voulez. Il y a beaucoup de petites parties, beaucoup de travail, parce que c'est un modèle qui est long, il est en format A3. Mais franchement, il n'est pas très 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 compliqué. Je pense qu'on peut le faire après avoir fait un petit peu d'initiation et pas de soucis, il se tente bien. Donc ça, c'est Vénus. Alors, ce modèle s'appelle Méditation. Je l'ai fait, il a un rendu au top, il est magnifique. Donc Méditation, il est dans la série Création à 5€. Il a pour référence SC38. Bon voilà, il y a des points d'esprit, des cordes pointonnées. Il est un petit peu plus compliqué et encore... Bon, il est un peu plus compliqué que le zèbre par exemple. Mais c'est pareil, si vous avez fait un peu de dentelle, il se tente quand même pas mal. J'aime bien ce modèle. Voilà, donc il s'appelle Méditation. Alors ce modèle, je l'ai acheté il y a très 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 longtemps et je n'ai jamais pris le temps de le faire et pourtant je sais si je l'aime beaucoup. Il s'appelle Vent, il est toujours dans la série Création à 5€. La référence c'est SC30 et un petit peu comme un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points fermés et de variantes, des cordes pointonnées, des points d'esprit, bon, point ouvert, point fermé bien sûr, du rouloté et il y a à ce niveau-là une coquille aussi, donc ça nécessite d'avoir pris un peu les cours, mais sans plus pareil, hein, c'est un modèle qui se tente pas mal, voilà, qui est relativement long comme les autres, mais qui est en format A3, donc qui est vraiment très sympa. Donc ça, c'est Vent série Création. Alors la femme au nénuphar, elle est dans la série Création à 5€, la référence c'est SC34. Bon, elle est longue bien sûr parce qu'elle est en format A3, mais elle n'est pas aussi longue que l'autre d'avant par exemple. Donc il y a essentiellement forcément point ouvert, point fermé, il y a quelques roulottés et des points d'esprit, du fond torchon, il y a les autres fonds qui sont ici, donc il faut avoir pris l'étape 2 hein, par contre. Des cordes pointonnées et puis quelques points d'esprit, ouais, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, c'est un modèle que j'ai fait plusieurs fois, celui-là. Je l'avais offert entre autres à ma maman qui l'aimait beaucoup. Et ouais, je l'ai fait plusieurs fois et j'aime beaucoup ce modèle. Voilà, donc il est pas si long qu'il en a l'air. Par exemple, si vous voulez attaquer un petit modèle pour commencer, bon, c'est pas un petit modèle comme l'orque par exemple, ça reste quelque chose en format A3, donc c'est une belle chose. Mais il sera quand même pas aussi long que celui que je vous ai montré avant. Donc ça, c'est La Femme au Nénuphar, série Création. Et pour terminer, la femme statue, qui est toujours dans la série Création à 5€. Il y a des cordes pointonnées, des points d'esprit, bon, des points ouverts, points fermés, roulottés, coquilles. Il faut avoir pris quand même un peu d'étapes aussi pour savoir faire celui-là. Mais il est quand même très beau au final. C'est un modèle aussi que j'avais fait en beige et je l'avais mis sur un fond bordeaux et il était super beau. Super beau, super beau. Voilà,
Donc ça, c'est pour... Donc ça, il s'appelle Femme Statue, série création à 5 euros. J'ai oublié de noter la référence, mais je pense que vous le trouverez facilement. Voilà. Et ensuite, le chat. Donc le chat, il est dans la série Motif. Je vous l'avais présenté il y a un moment parce que je ne savais pas en fait que la personne vendait toujours les chats. Donc, les cartons. Donc je l'ai enlevé, je vais vous le refaire avec les fuseaux. Il est dans la série Motif à 1,50€. Il y a essentiellement du point ouvert, du point fermé, des roulottés, quelques cordes pointonnées, point d'esprit. Bon voilà, ça nécessite d'avoir pris quelques étapes, mais malgré tout c'est un modèle à 1,50€, donc franchement il n'y a pas lieu de s'en priver, c'est un modèle qui se fait bien. Voilà, bon bah écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté tout ça. Comme je vous ai dit, je vais instaurer des nouvelles vidéos. Je vais faire des vidéos plus courtes et plus souvent. Voilà, j'espère que ça vous conviendra, que vous allez apprécier tout ça. Je suis vraiment mais ravie d'avoir eu ces droits pour ces modèles parce que je les affectionne. Ils sont vraiment... vraiment magnifique, j'espère que vous serez de cet avis. En tout cas, sous la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à aller acheter ces modèles. Je vous les présente dans les prochaines semaines, les prochains mois, on verra le temps que je mets pour chaque. Mais en tout cas, tous ceux que je vous présente aujourd'hui, je les présenterai en vidéo quoi qu'il en soit. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis j'attends vos retours maintenant.